Pour entrer dans le titre, c'est vrai que ça fait un peu titre. Monsieur Link? Monsieur Link? C'est bien vous, n'est-ce pas? Où est-il vous passer, n'est-ce pas? Ah, le château est dans cet état depuis votre départ avec la princesse Zelda! Nous étions si inquiets. Dame Prua n'a pour ainsi dire pas fermé l'œil depuis. Ah oui, ça fait beaucoup de spectateurs là. Comme moi sur mes streams en fait. Entre 9 et 10, entre 9 et 10 millions. Et Schlack le prince. Le fort de Gay. C'est impossible! Non. Maître Link? Mais où étiez-vous passé? Attendez, mesdames! Zelda! N'est pas avec vous? Vous êtes absolument, absolument voir Dame Prua. D'accord. Ça roule ma poule, j'y vais. Ah, c'est mieux sur le grand écran de la télévision que sur mon écran pourri de PC quand même. Ouais, c'est plus joli. Ah mais c'est elle! Oh! Enfin c'est elle. C'est ces cons là là. Mais c'est toi, où t'es-tu passé dans ton cul? Putain mais c'est lui! Des balances sur ce qu'on appelle des artefacts Sonéo. Ok. Ok, boy. Oui, la chèvre. Allez-y. Le dernier qui fait la chèvre a gagné. Ah, je peux pas lui voler ses trucs à lui. Oh, et je tousse si je veux, moi. Oula. Ah, ça, c'est le château. C'est qui ça? Esprit. Bien. Je crois que mon écran fait même plus de 60 FPS, c'est pour ça que ça rame de mon côté. Merci les strives pour level up, merci à vous tous. Oh. Ah c'est toi Joshua. J'avais eu Joshua, mais c'est Joshua, pas Joshua. Oh. Ses yeux bleus. Rosa Prua, c'est lui le chevalier, il est revenu. Non, c'est faux. Oula. Bah, t'étais où? On t'a cherché partout. Dans ton cul. Oula. T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? C'est une maladie, d'accord. Mon corps, mon choix. Bon, ouais, tu vas tout me raconter. Elle vient de commencer, Rudy. Je veux un rapport des plus détaillés. Link qui raconte. D'accord, je vois. Donc, Dame Zelda et toi, Zelda, vous avez exploré le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. T'as encore bu, Link, c'est ça? Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante, et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Bien sûr. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Prua. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. Oh, la sacrée gueule de bois quand même, hein. L'épée de légende a disparu. Salut, Bey. Et tu es arrivé ici, guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris?
Quand elle résume tout comme ça, c'est... C'est un peu grosse gueule de bois, là. Hein. Attends. En gros, c'est vrai de tout là-haut? Oui, peut-être. Puis c'est Raoru, c'est le nom du premier roi d'Hyrule, il me semble. Cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément lien avec le cataclysme. Bah oui. Sans parler de l'envol du château et de ces ruines qui tombent du ciel. Ce qui est c'est que tu as entendu la voix de la princesse. Oui, ça veut dire qu'elle est vivante. D'être sous le château d'Hyrule, certainement, elle a besoin d'aide. Je sais bien que tu viens tout juste de revenir, Link, et que ça me gêne de t'imposer ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était avant ou après avoir chié dans le derrière la salle des fêtes, Link? C'est un peu ça. C'était avant ou après ta prise de LSD? S'appelle Oz, il ne trouvera sûrement pas un coup de main. Je vois. Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de mettre les pieds là-bas, près de... Hein. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Oui. C'est noté. Ah, on a les guides des personnages. Nice. Quel jeu de fou! Sert à quoi ça? Ah, on peut! Oh! Donc on peut voir le gros château. Ok. Bien le bonjour @zemerdoudrox et les doudistes. Et coucou Benchoudé, merci beaucoup pour le 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup, comment ça va? Ah mais c'est les anciens sanctuaires ça, c'est les anciens trucs. Bah ça va tranquille, écoute. Sur Zelda depuis presque 7 heures. Hein. Et ça régale. Oh, est-ce que par hasard tu ne serais pas le légendaire preux chevalier? Je suis Tronel, commandant des brigades anti-monstres. Coucou. Et on participe également aux recherches pour trouver Dame Zelda. Salut Gwenegan, comment ça va? Je suis content que te voir sain et sauf, j'aimerais pouvoir dire attends, hein, ça va bien aller. Fouiller le château? Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour le lurk. Merci à vous du soutien. C'est là qu'on a perdu la trace de la princesse Zelda! Elle espère trouver quelque chose. Oh mais merci pour le sub, dis donc Gwenegan, merci! 9e mois! On a la Bravem, ils ont la Bram, tout simplement. La brigade anti-monstre. Un groupe de volontaires, ouais, d'accord. Un groupe d'ultra-droite, encore une fois, hein. Comment ça va, Gwenegan? Comment ça va, tout le monde? Je crois que tu me racontes une de tes héroïques histoires d'étripage de monstres entre deux missions. Ça, j'ai... Je sais, je vous ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'il veut, lui, avec son chat? Oula, mais qu'est-ce que ce glandu là? C'est Perceval? Il ressemble un peu à Darmanin, tiens, c'est vrai. Ah oui, bah, de toute façon, j'avais dit. Hein. C'est toi le fameux Link dont tout le monde cause? Bon, ça on leur a parlé. Oh, mais il y a des tenues là! Ah oui, capuchilienne, tunique-ilienne. Ah, mais il faut. Voilà, je regarde le jeu sur l'écran de Madame Doud. Oh, trop beau! Elle est trop belle!
Ce vêtement de collection alien attire ton attention, toi aussi. Ah oui, mais je tombe bien, je suis justement un alien, moi. C'est la première fois que tu viens ici, je me trompe? Ouais, alors, bon. Ah, village des Carailles. C'est un village tout au sud, à tel point qu'on appelle vraiment le village des confins du sud. D'accord, c'est une Marseillaise, quoi. Ouais, bah écoute, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, donc foutez-moi la paix. Putain, je suis le héros du temps, etc, etc. Je crains pas la corrosion. Pourquoi il se met avec un balai, lui? Oh, le bouc. Oh mon dieu, c'est monsieur Link qui me parle. C'est mon âme qui attire votre attention. Alors, précisément, j'ai fabriqué ce truc pour accueillir les monstres comme il se doit. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'attacher une pierre au bout d'un long bâton. C'est super, Drudy. Franchement, big brain time, quoi. Bon, je dis ça, j'ai exactement la même arme, mais... Mais moi, je suis le héros, donc je peux le faire, pas vous. Oh, c'est quoi ça, ici? Et hop! Non mais c'est bon, merci monsieur. Bonjour. J'imagine pas ce qu'il rappellerait à nous de cette manière. Cela dit, du point de vue du groupe d'archéologistes Soneo, c'est plutôt une bonne de faire une pareille. D'après Dame Pruas, fait la lumière avec Charles Cadril. L'enquête piétine. La princesse Zelda, est-ce qu'elle va s'en sortir? T'inquiète, I got this. J'ai l'habitude, les petits potes. Les 1 et 2 sortis en 86 et 88. Ah oui. Oh. Ouais, t'as pas fait un Zelda depuis. Moi, ceux-là, je ne les connais pas. Enfin, je les connais de vue. Hein. Une houe. Super. Génial. Je prends. Mais si on est des boomers, oui. Ah, c'est le club des vieux ici. Hein. Ici, ça joue pas à Fortnite, hein. Enfin. Oula! Oh! Oh! Nom d'une poutre! Qu'est-ce que j'ai fait? Et hop! Désolé de vous avoir laissé tomber, patron. Ce planète est une représentation fidèle de notre bien-aimé patron, Gros Allié. C'est inacceptable qu'il se retrouve à terre. Inacceptable. Gros Allié? Vous ne connaissez pas Gros Allié? Son Altesse, la princesse Zelda, en personne, lui a confié la charge d'installer des débarras comme celui-ci aux quatre coins d'Hyrule. Il n'est ni plus ni moins le visage de la reconstruction du royaume. Oui, d'accord. Et lui, il fait quoi, du coup? Pfeffer. J'ai l'intention de te parler de mon glorieux patron. Ok, bref, je serai assez vraiment discret sur mon activité pour éviter de nourrir la crimonie du premier jaloux venu. Sache que je suis en mission spéciale sur instruction directe du célèbre Gros Allié. La mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays pour faire de la publicité. Ok. Il s'agit de panneaux comme celui-ci, à l'effigie du grand Gros Allié. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il ne doit tomber sous aucun prétexte. Il est bizarre, lui. Moi, je le tiens de mes propres bras. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas l'installer les autres. Que faire? Tu vas le tenir pour moi, entendu? Je lâche. Et
Bah attends, mais je peux t'aider, moi. Il est con, quoi. Il est pas très malin, le monsieur, non? Tu vas pas le coller? Non, je peux vraiment pas l'aider. Ah bah non, je peux pas le coller. Lâche pour voir. Attends. Je ne partirai pas tant que j'aurai pas résolu cette énigme. On va trouver une solution, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait mon professeur de physique chimie. On va trouver la solution. C'est un truc un peu trop gros là. Ah, t'as pas tombé là. Et voilà. Incroyable, il ne tombe pas. Quel génie! Ah bah oui! Vous savez, je suis ingénieur. Hein. On va pour le fixer. Ça doit être solidement en place. Oh, joie aux libertés retrouvées, tiens, pour te remercier. Allez hop, 20 rubis, let's go! Merci pour l'argent, merci pour le don, hein. Ça a dû trouver l'appétit toutes ces histoires. Non, laisse-moi te donner ce petit plat d'Angèle secret. Boulettes aux herbes. Ah bah c'est bien, ça aromatisé aux herbes sauvages. Ces boulettes de riz sont un plat typique du village de Cocorico. Ah oui, le village Chocobo, comme dit Jules. Prends ça aussi. Bon pour une nuit gratuite. Accumuler des points d'utilité pour recevoir ces bons permettant de profiter gratuitement d'un lit normal dans un relais. Ah oui, d'accord. Ok, non, je m'imaginais des choses... Pas très catholique là. Bon, super, encore une affaire, encore une victoire de canard. Rune à la place centrale, voilà, il roule toujours dans la merde. Ouh, des armes. Espadon de voyageurs. Oh bah attends, on a plein de grosses armes là. On va virer les bâtons dégueulasses qui nous... On a sur nous. Ah. Salut bro. Camille. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu as vu? C'est dans l'abîme du château Nirul. Mais pas loin d'ici, il vaut mieux ne pas s'en approcher. Et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi. En bref. À cause du cataclysme, le danger nous guette un peu partout, alors fais attention à toi. On parlait d'abîmes. Ce sont ces grands trous profonds qui se sont formés à travers le monde suite au cataclysme, voyons. Par ici, on peut en trouver un sous le château d'Hyrule et un autre au sud du fort de Guay. Et la sanctuaire, c'est quoi du coup pour toi? Demi, c'est le sanctuaire, c'est apparu dans la... Ok. Et puis il n'y a pas que les sanctuaires, il y a aussi les abîmes. Bon, ça on a déjà vu. Ça on a déjà vu, ok. Alors là, vous avez vu, je suis malin cette fois-ci. Je commence à apprivoiser mes pouvoirs, même si ça ne sert absolument à rien ce que je viens de faire. Mais bon.
Allez, petit sanctuaire. Évidemment, route tout 100%. Hein. Leçon de combat. Ah, ça va être la bagarre. FC bagarre, mesdames et messieurs. On va prendre... on va prendre mon gros gourdin, là. Oula. Est-ce qu'il les attaque d'un saut latéral et profite de la brèche créée pour contre-attaquer? Ok. On vient se marrer là. Ah ok. Oh yeah! Un saut en arrière, ok. C'était un peu trop loin là. Ah. Mais non, mais je suis derrière là, je fais latéral, non? Enfin, je fais. Ah. Donne un coup de bouclier pile au bon moment. Oula! Oula, les parades! Repousser. Ah, c'est plus compliqué là. Plus de l'énergie, relâche là. Plus une attaque chargée. Nice. Un sanctuaire, encore une victoire de canard. Trop fort. Alors, est-ce qu'on a quand même ici? Bouclier rouillé, épée rouillée. Aaron Pogger, c'est quoi? C'est du... du football américain? Ouh, absolument rien à voir. Épée de sonium. Cette épée est composée de sonium attaché à lui, un matériau ou artefact sonore. Son attaque augmentera légèrement plus qu'avec d'autres matériaux. Trop bien ça. On va enlever le... On va enlever le... hallebarde rouillé. Quarterback s'appelle Aaron Rodgers. Ok. Bravo. Ok. Je pense avoir mal au crâne, mais j'ai envie de jouer encore. Qu'est-ce que je pourrais faire comme un truc de point de chaîne pour aller avec Zelda? Oula. Si toi, t'es pas là avant, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh.
Ah oui, ah bah oui. Elle sait pas que je sais faire ça, moi. Bonjour. Kartam. Oh, Link. Depuis quand es-tu de retour? Oz ne sait pas encore que tu es de retour. Link, tu es sur la tourelle qui est en haut de la colline, de l'autre côté des portes. Allez, on sait que tu es là. Ok, c'est parti. Parce que je réfléchissais à des interactions de points de chaîne pour aller avec le Let's Play Zelda, mais je vois pas trop quoi faire. OMG. Ah. Comment j'y vais, moi? J'en ai une équipe de recherche sous le château d'Hyrule. Chercher la princesse Zelda. Merci, Captcha. Oh, Captcha level 199. Ah ouais, alors là, on est presque... On arrive au niveau 200, là. Merci, Gonegan, également, pour level 88. Merci beaucoup. Mais il m'a dit d'aller où, lui, là? Oh. Putain, j'ai l'attention d'une babouche là. Là, je devrais aller. C'est peut-être là-bas. Hein. C'est un coup à jouer là. Check it out. Oh, le petit piano derrière, il m'émeut. J'aurais jamais assez d'endurance là. Je vais mourir. Bien joué, Link, évidemment. Très fort. Non mais... Ah. Ok, donc c'est bien là. Enfin, j'espère. Ça a l'air d'être là, hein. Ouah. Toujours, je vais tout casser. Galerie Ouest. Oh là! Quoi?
Oula, qu'est-ce que c'est que ces glands, là? Ratio. Oh! Oh, l'arc de soldat! Ça, c'est bien. Ça, c'est very good. Est-ce que j'ai encore le... Voilà, si on fout ça là, c'est bon, non? Ça c'est quand même trop stylé. Hein. Ah. Mais merde. Oh no! Merde! Ah, c'est bon, il y a le caillou en bas. Attendez. On a peut-être la solution. Ah bah voilà! Nickel. On est arrivé. Nickel. Ah, par contre, est-ce qu'on peut récupérer les... Je sais plus si on peut récupérer les items quand on les a utilisés déjà. Genre, est-ce que si on le pose là... Non, il sera juste posé ici, c'est fini. Ouais, c'est ça. Oh! Oula! Ouais. Alors là, je suis clairement pas assez fort, hein. Bon là, mesdames et messieurs, ça va être c'est la bagarre. C'est la grosse bagarre, mesdames et messieurs. Attendez. Oula. Pourquoi ils prennent absolument aucun dégât? Ah. Ah merde, j'ai... Oh! Ah, je me suis fait péter le fion. Merde. Attends, mais je pense que là... Ils font trop mal, là. Puis je leur fais pas de dégâts, surtout.
Il faut que j'améliore mon arme. Je vais mettre l'espadon avec le... Oh, ça va, j'en prends d'ici, c'est cool. On va jeter... Attends, c'est lequel déjà qui a beaucoup de dégâts? C'est ça, là. Voilà. Ensuite, on met l'espadon. Rouillé avec... Ça. Et ensuite, nous, on fait ça. Avec... Ouah, du feu, je pense, non? Ça, c'est qu'il y a... Bon, attendez, on va y arriver. On va y arriver, hein. Après, est-ce que je suis vraiment censé être ici? Je ne sais pas. J'ai toujours le chic pour aller dans des endroits où normalement, c'est pas dit que c'est là. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. J'aime le challenge. Alors nous allons insister. Heureusement, lui, il peut pas traverser le mur, je crois, parce qu'il est trop gros. Par contre, eux... Oh, mais il m'enlève 4 cœurs ? C'est pas possible que je passe, en fait, là. Attends, je vais passer en force. Non, en fait, je peux pas... Je leur fais 0 dégâts. On va passer en force. Bonjour messieurs. Alors je ne fais que passer quoi. Oula. Voilà. On est passé, c'est bon. Hein. Mais en fait, j'ai absolument rien à foutre ici. C'est pas grave. On est dans les geôles. RP prison. Au secours! Je me suis perdu.
En tout cas, les pouvoirs, ouais, c'est un peu fort. Hein. Ah. Un coffre, nice. Lance de soldat. Ouais, bon, écoute. Vas-y, on va prendre. Hein. Ça me paraît un petit peu too much, je crois, escalader avec mon endurance. Quoique, attends, on va essayer. Ah non, ça va être trop. J'aime beaucoup ce piano là. Je me retiens d'écouter la BO du jeu sur, genre sur Spotify ou sur YouTube. Juste pour pouvoir la découvrir. En direct live. Coucou. Oh Toupou. Comment ça va Toupou? Ah, ma foi. Bonne nouvelle. Alors, je suis arrivé au bon endroit, mais je pense pas que je sois passé par le bon chemin. Et comme on dit, hein, c'est pas le... L'important, c'est la destination. Je pense qu'on y est arrivé. Moi, heureux, bah oui, écoute, hein, je joue enfin à Z-E-L-D-A Zelda. Donc, oui. Très heureux, le jeu est... Le jeu... paraît démentiel, enfin je... Incroyable. Salut les Jones. Salut mec. Zelda. Zelda. Et moi je suis Link. J'étais pas bien de m'adresser la parole sans prévenir comme ça. Il y a un abîme, c'est un énorme trou créé par le cataclysme. Toupou toupou toupou. Ça me fiche la frousse et en même temps je ne peux pas m'empêcher de regarder. Super, salut Flava. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme nous, t'es venu pour aider à chercher la princesse Zelda. C'est ça, tous ceux qui sont ici lui sont redevables, alors forcément on voulait l'aider, quitte à faire des trucs un peu ingrats, sauf que le capitaine est dans la tourelle et qu'il n'a pas l'air de vouloir descendre. Oh, qu'est-ce qui se passe Toupou? J'espère que ça va. Ça va pas trop mal. Tu veux qu'on sorte de quoi ce soir? Troisième quartier, plein d'Hyrule. Alors qu'est-ce qu'il y a à voler ici là? Une torche. C'est la merde. Donnez-moi une... La bagarre là. Concert de feu, bien joué. Une louche. Qui essaie aussi bien de servir la soupe. Super. La louche qui fait plus de dégâts que mon espadon. Tout va bien. Épée de soldat, ça c'est bien ça. Ici aussi les armes ont l'air corrodées. J'en viens à me demander s'il reste encore les armes intactes ou que ce soit. Corrodées ? En tout cas, les armes se sont vitement corrodées. Épée, lance, espadon, tout y est passé, j'ai pas quoi. Ouais. Il y a Danout qui joue à côté aussi. Du gros Deathcore qui tabasse. Ah oui! Le Kwaku c'est... Putain mais ton jeu il est beaucoup plus fluide sur l'écran à 60 fps que mon écran à 25 fps là. Hein. L'écran qui pue du fion. Ah ça, du coup je peux faire ça moi. Regardez. La Kwaku infiltration. Ah non. Comme ça je peux pas, c'est trop haut. Regarde les hommes tombés. Genre le nom du groupe le termine quoi. Ah nous on l'a acheté. Ah bah évidemment.
évidemment qu'elle se lâche. Tu sais, nous, on a deux Switch, deux Animal Crossing, deux Breath of the Wild, deux Tears of the Kingdom. Elle est à cran, alors j'ose pas trop l'approcher. Mais remuez-vous, merde! Mais je suis occupé, là. Là, il va faire... Oh! Maître Link, c'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf, et la princesse Zelda est forcément avec vous. Ah, vous pouvez pas le sentir que je me suis fait, je suis, mais alors, tellement soulagé. Oui, alors, en fait... Zelda n'est pas avec moi. Je n'ai pas revenu avec la princesse Zelda. Vous avez entendu la voix de Zelda. Vous voulez que je joindre à nous pour la chercher? Si je peux me permettre, la situation est de plus en plus déroutante. Mais soit, nous continuons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous dans l'équipe, nos chances de réussir, Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qui sont dans le coin. Non mais... C'est... Grave. Regardez, la princesse Zelda. Quoi? Comment ça, la princesse Zelda? Oh! Princesse Zelda! Vous êtes bien vivante! Oula! Que... Vous avez vu aussi Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. C'est incompréhensible en tout cas, et urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi sans même nous répondre? La situation, nous allons nous replier nous aussi, mais nous sommes nombreux, cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir Dame Prua et l'informer que nous avons vu la princesse? Ça roule ma poule. Pas de pogo. Qu'est-ce qui va te trigger, Rib? En même temps, ça aurait été une torture pour elle d'attendre que tu le finisses, vu comment elle était hyper hypée par le trailer. Bah oui. Mais il était... inenvisageable, de toute façon, que je fasse le jeu et qu'elle attende de le... Et qu'elle attende de ma... que j'y ai joué pour le faire, non, non. Pourquoi ça brille, là-bas? Oh, bah ça va te trigger. Quoi coup trigger? Voilà, ça je te double trigger. Ah. Il y a quelque chose qui brille là-bas. Oh, c'est des Korogu, putain. C'est pas des idées de points de chaîne avec... que je pourrais créer par rapport à Zelda? Ah putain, oui, c'est ça que je fais. Ah. Hein? Tu m'as trouvé! Let's go, 7 sur 1900. À la revoyure. Putain de Korogu de merde. Attends, mais c'est moi qui l'ai marqué le truc là. Pourquoi ça brille? C'est pas moi qui l'ai mis ça en plus. Ah, ça me dit d'y aller, hein. Quelque chose qui brille comme ça, c'est pas anodin. Quaku Trigger Zelda, oui là, c'est le combo là. Ça brille, faut que j'y vais, non, on est d'accord. Ouais, alors je dois avertir la princesse, enfin le machine là-bas, mais bon... Qu'est-ce que c'est? On va faire autre chose maintenant. Attends, c'est si loin de moi ça? Ah ouais, c'est loin. C'est loin, mais je dois y aller. C'est mon devoir en tant que héros. Link. Ah, j'ai pas de parapente là.
Oh, la cuisine. Oh. Non, ça me dit rien, ça. Ah si, regardez, c'est une recette de cuisine, ça, vous avez vu? La bière, de la vinasse, du blé et un œuf. Pour faire des crêpes. Des crêpes de Zelda. Des Kwaku crêpes. Ah oui, alors là, ça pue du cul. Oula. Alors je lui fais aucun dégât. Je crois que je suis définitivement dans une zone qui n'est pas de mon niveau. Je pense. Parce que là c'est du one shot. Je l'ai pas trouvé celui-là, t'as l'air. Ouais, je disais tout à l'heure, si jamais vous avez... bon, je peux pas y aller, ça sert à rien. Si jamais vous avez un écran de PC à 200 euros max, quelque chose de cool, montrez-le moi. J'achète un écran là, mon écran il a plus de 10 ans, c'est moche, c'est plus fluide, c'est caca boudin, et donc il faut que j'achète un truc. Voilà, si jamais, pensez à moi. Oh, à la mémoire de toutes les vies volées par le fléau, je dédie cette stèle Zelda. Princesse de la sénérité. Sénérité, sérénité. Ah non, je regarde vers la sortie directe. Hein, si je regarde vers la game capture, faut pas faire ça. Non, je regarde sur mon écran où je joue. Mais c'est juste que mon écran, il est super vieux. Il a véritablement 11 ans. Attends, j'ai quel âge? Ah, oh, je suis si vieux aussi, putain. Oh, il a plus de 10 ans. C'est plus fluide que via le câble. Ah bah oui, moi c'est plus fluide aussi. Moi quand je regarde à gauche, c'est plus joli et plus fluide. Mais parce que mon écran de retour, il est plus récent. Mais il y a quand même un léger décalage. C'est une microseconde. Hein. Salut Prua. Link, te revoilà. Quoi? Il chante pas que ça en plus. J'ai du nouveau, oui. Hein? La princesse Zelda s'est mise à briller, s'est envolée. Si Lisa, ça m'a pas. Attends. Si tu dis que ça s'est passé ainsi, à part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur le cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. Combien de pouces il te faut? Je sais pas. Je sais pas la taille. La taille qu'il me faudrait. Une taille standard. Un bon écran. Pas trop gros, pas trop petit. Et ça avance bien, Déméter. Pas du tout. Oui, on n'a pas la carte détaillée. Ben, on va... Ça va être terminé. Pourtant, encore besoin de quelques ultimes réglages. Hmm. 27 pouces, mais c'est énorme à 27 pouces, non?
L'écran sur lequel je joue, c'est un 25, je crois. Il y a des coins de cuisine. Hein, hein. 27 ? C'est pas hyper grand, 27 ? Je m'en rends pas compte. 16-17 pouces, c'est trop petit, hein, Déméter. Je trouve ça trop petit, moi, personnellement. Reconnaissant, Bibi s'occupe du téléporteur. Ok, bro. Whistiti. Pourquoi elle a dit Whistiti, là? Allez. Pourquoi Whistiti? C'est pas 25? Bah, c'est 27 que j'ai alors, je sais plus. Franchement, mon écran, je sais même pas comment vérifier quel pouce c'est. Alors, Salut, bro. Ah, t'as déjà fini? Bah, d'accord. Je viens justement de boucler les derniers ajustements. La paroi devrait maintenant fonctionner. Ah. T'es prêt, enclenche l'interrupteur s'il te plaît. Quand on pousse et mesure, ouais, mais après, bon. Si j'ai un petit pouce, un grand pouce. Ça devient impératif que je change, les couleurs elles sont fades, ça, c'est pas fluide alors que sur mon autre écran ça l'est, là c'est bon. Oula! T'es mal à la tête de la fusée. Tiens, ça fait un bug, c'est standard. Ça doit être ça, sûrement. Pchoui! 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 Monsieur Pruya, les autres orques de l'action ont l'air de bien fonctionner. Super! Super top, j'ai lire. Link, c'est à toi de jouer maintenant. Comme d'habitude. Et hop! Oula. Cette tour de reconnaissance est enregistrée dans la tablette Prua. En gros, tu reportes ça du téléporteur, c'est un spécifique qui permet à tout le monde de rejoindre. Tu rejoins à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Alors avoue que ça t'embouche un coin. Oui, oh, ça va. Maintenant, attends mon petit coco, parce que t'es loin d'avoir tout vu. Pourtant, c'est fait pour cartographier, pour faire des cartes, quoi. Elle te permet de faire un relevé topographique de la région. Les connectés sont envoyés automatiquement à la tablette Prua et viennent compléter ta carte. C'est génial! Ah oui, ça c'est cool. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. Eh bien, elle est où la paravoile? Oh! Oui! Ah, oh, c'est là que la fête commence, là. Ah, là, ça va être un délire. Curvé, FHD, VA247, FreeSync, compatible G-Sync, 4 MS pour 200 euros, FDP IN, c'est bien ça? Ah bah... moi ça a l'air parfait, CAPTCHA là, hein. Ça... bien. 27 pouces incurvé, 200 fret pour IN, oui, ça me paraît absolument parfait. Bon, c'est... Il est récent, j'imagine. Il est quali, et il est dans mon budget. Ah, moi j'ai envie de vous dire... Attends, d'abord que tu enregistres les cartes, on a touché par les étranges phénomènes. Une chose après l'autre. Ok, bon alors faut que j'aille. Oula!
Ouah. Ah oui. Il faut que je fasse quoi là? Ah, c'est pour cartographier, d'accord. Ça marche, merci beaucoup Capcha. Bah, je vais regarder modèle 2021. C'est toujours vu que mon modèle qui est de modèle 2010. Hein. Bah, c'est parfait. Ah bah voilà, la carte de surface mise à jour, parfait. Ah, carte du ciel mise à jour également. Là, faut que je fasse quoi moi du coup là? Bah je peux aller où? Je peux aller où je veux concrètement. Ah bah tiens, sonnez le truc qui brillait. J'ai pas mis une seule fois mes lunettes, Topou. 3 x 32 pouces, voilà. Je sais pas si c'est 27 et que c'est... Mon bureau, je sais pas s'il fait passer les 27 pouces. Enfin, je pense que si, quand même. Il y a plein de trucs qui brillent partout. Attends, mais faut que... Pampan cucu, ah, super. Je me suis pris un pampan cucu. Les yeux, c'est précieux, ouais, c'est vrai. Attendez, je vais faire mon message de Sagouin sur Discord. C'est les dernières heures de stream, alors bon, comme ça fait... Je peux faire un everyone toutes les 7 heures, ça va quand même. Et après je mets mes lunettes, promis. Je suis le meilleur d'Audi Dude. Ouais. Calmons-nous. J'ai une vidéo sur TikTok qui a fait 23 000 vues. Pas mal. En fait, ma vidéo sur TikTok, sur Twitter, c'est il y a JDG hier soir qui dit ouais, j'ai terminé Outer Wilds, jeu de fou. Et je fais ah bah alors pour fêter ça, petit thème au banjo parce que j'avais repris le thème de Outer Wilds au banjo. Et je me suis réveillé ce matin, il y avait 250 likes, 20 000 vues, j'étais là, oh. Sweet. Et demain, d'ailleurs, nouvel instrument de musique. Demain, je passe en doud. Ça, normalement, je peux les tuer, ceux-là, je crois. Hein. Mais je me bats avec une louche. Aïe, aïe, il fait super mal. Oh, putain. Matraque laser. Ok, bro. Ah!
Oh! Ils font trop mal ces connards là. T'as vu l'attaque de mon arme? Il y en a encore un là. Hop là. Ah oui d'ailleurs, il faut que j'achète des boules caisses pour demain aussi. Moi, demain soir, pas de live. Pas de live demain. C'est pour ça que je dose un petit peu Zelda aujourd'hui. Grande orbe d'énergie. Nice. Parce que demain soir, je vais à un concert. Demain midi, je vais au restaurant normalement. Faut que je parle avec mon frère. Et il y a plus de trucs qui brillent là ? Il a disparu ? Oh, c'est un petit live. Je compense, je pourrais pas jouer samedi. De toute façon, après le live, enfin les streams vont prendre une tournure normale. À partir de dimanche soir, on va dire lundi, ce sera retour à la normale. Oula ! Qu'est-ce que... Ah ben il faut une hache pour le tuer, j'ai pas de hache. Et non. Un track laser ça fait quoi? Ça ne sert à rien. Oh! Putain c'est des hentes. Et pourquoi il attaque les arbres? Je viens vous sauver bande de trous du cul. Ah oui même. Mais y'a plus de trucs qui brillent? Mais... C'est que ce bordel ici. J'espère que ça n'a pas disparu. Ah oui, c'était là. Et c'est vrai que j'ai pu mettre des bombes effectivement sur leur tronche, mais. Qu'est-ce que. Bah, l'autre chose maintenant. Ah, manque un caillou ici pour un Korogu. Ah mais il est là le caillou. Et le caillou, le sarbacane. Je vais faire assez rapidement les cailloux parce que... Enfin les Korogu. Que si effectivement il y en a le double. Que sur le premier Zelda. À la revoyure. Alors moi j'ai fait tout ça pour rien parce que là il n'y a plus rien qui brille. Super. Envie de vécreux. Bah ouais, il n'y a rien qui brille là, je comprends pas. C'est ça qui brille? Oh bah... Oui, visiblement c'est là qui brillait. Oh, je me suis pris mon... ma balise dans les yeux. Est-ce que je peux traverser ça? Je suis pas sûr. Rematsuo, comment ça va? Oh, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, Matsuo. Ça fait pas longtemps, mais tout de même. Bah écoute, moi je suis très heureux, hein. J'ai mis mes lunettes. Ouais. Madame Doud vient de mettre le caillou au bout du bâton. C'est pas une métaphore.
Il faut que je mette la Madame Dude, la Madame Madame Dude Cam. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Il faut que je la mette en place. Avec des prochaines, vous pourrez mettre la cam pour voir ce qui est fait sur le jeu. Bah super, il y avait un truc qui brillait. J'arrive, il n'y a plus rien. Quelle indignité. Bon bah... C'est pas beau. Bah c'est pas grave. Déjà si le jeu est beau. Quand on est poli, on dit bonjour fils Patrick. Et tu te crois intéressant là à venir critiquer critiquer un jeu que j'attends depuis longtemps. Tout ça pour jouer après à des jeux de F1 là tout pourri. Non mais je vous jure. Oh je suis venu ici pour rien du tout. Oh c'est quoi ce truc encore là? Bonjour, c'est pas beau. Super. Hello there. Merci beaucoup Kaiser. Oh putain, je dois me tuer. Comment je me tue là? Merci beaucoup Kaiser. Attends, faut que je trouve un moyen de me tuer vite. Attends. Oh, je sais, je vais mourir noyé. J'arrive. C'est prévu, t'inquiète. Laisse-moi le temps. Ah, ah. On y est presque. Je me vois noyer. Voilà. C'est bon. Merci pour le follow, bienvenue. Comment ça va? Bienvenue chez les doudistes, bienvenue sur le stream. Baisse mort du jeu. Il y a trop de morts cons. Ça, ce qui me fait trop rire, c'est que j'essaie vraiment de me dire, bon, faut que je meure rapidement, donc du coup, je dois trouver des solutions pour mourir vite. C'est assez rigolo. Belle image pour la jeunesse. Ah bah ça. Et oui, mais c'est... Je vous l'ai dit, hein. Un follow, je tue Link. C'est obligé. Ah bah tiens, il y a monsieur là-bas qui veut faire avec son... Attends, je vais l'aider encore une fois. Vous savez, la jeunesse, hein, moi ce que j'en dis. Alors, comment est-ce qu'on va lui... Oh, ça tient tout seul. Bon. Alors, on va faire un truc comme as. Oups. C'est tout pour saude. Bah oui, c'est tout pour, oui. Ah, c'est bon, il va... J'allais dire c'est bon il va tenir. Oui je sais. Lâche-le pour voir. Ah. Merde. Il est tombé. Bon attends faut que je reconsolide ma... La construction là. Et toi tu joues à quoi fils Patrick? Je sais pas ce que je fais, mais en tout cas, je cuisine parce que je bosse demain. Ah. Coup dur. Mon fils Patrick.
je suis en train de faire vraiment une aberration là. Live montage de Lego. J'aimerais bien. Oh, ça va tenir là, je pense, non? Oh, c'est solide là. Qu'est-ce qu'il fait Link? Oh putain, réfléchis un petit peu là. Bon alors attendez. Tu veux me le faire en live avec moi? Hop là, ça tient trop fort. Il tient debout? Oui. Incroyable! Mais bien sûr, je sais. Quel génie. Je sais. Je suis ingénieur. Ingénieur informaticien. C'est mes chemicals, comment tu vas? Grâce à toi, il est solidement en place, ce qui veut dire que j'ai plus besoin de le tenir. Ouais, des rubis. Merci pour l'argent. Des boulettes aux herbes. Et... une fleur bombe. Super, merci monsieur. Alors. Bon. Eh ben on va retourner faire la quête principale. Hein.